Le 22 juin, j'ai été invité à un tournoi invitationnel organisé par InoxTag. 60 streamers, créateurs, snapchatteurs, instagrammeurs, tiktokers et même Cyril Gann se sont affrontés sur Fortnite pour décider qui était le meilleur duo. Pour cette occasion, j'avais un pote, un frère avec qui vous m'avez déjà vu faire équipe, Fatou. On a déjà fait équipe ensemble pour la ZLAN, avec qui j'avais déjà joué à Fortnite, même si on y a très peu joué comparé aux autres, et on voulait essayer de performer ensemble. Alors même si ça faisait une semaine que ça faisait au courant qu'on était pris pour le tournoi, on a commencé vraiment à s'entraîner 24 heures avant. Mais durant 24 heures, on s'est donné. On a pris un coach, Astok, joueur de l'équipe Helios Gaming, qui nous a entraîné pendant plus de 10 heures sur des rotas, des strats, des armes, des visions de jeu qu'on devait avoir. Sachez que le jour de tournoi, j'ai lancé mon stream à 13h pour le tournoi à 20h et j'ai fait que du Fortnite. Et on s'est donné à fond pour essayer d'être la meilleure équipe. Et dans les autres équipes, la tâche n'était pas simple. Mikalo, Luxio, Gotaga, Michou et même des anciens pros. Fatou et moi et nos faibles heures de jeu sur Fortnite avons décidé de se donner à fond pour essayer de vous produire le meilleur tournoi. Alors rentrons dans le vif du sujet et commençons par la première game. Le chat, est-ce que vous êtes avec nous ce soir, les gars, le chat? On participe à un tournoi Fortnite! Je suis sur Fortnite, c'est une dinguerie. Allez, initiation et déplacement vers le serveur. Ok. Bon, allez, on fait M, allez. On regarde tout de suite la carte et on voit où on va. En ah, mode, oui. Si le spawn il est direct, c'est qu'on loupe pas le timing de saut. Non, là, ça va. Ça, c'est bon. On saute, saute vers où? On saute vers... On saute vers là. On saute vers là, hein. Avoir un bel release, ok? Ok, ouais, par là, ouais. Ouais. Et en plus on est loin, du coup on va avoir tout le stuff et tout, c'est bien. Vas-y, drop. Y'a un planeur. Planeur. C'est bon. Ouais, ça te conteste, ça va tomber sur toi. Ah ouais? Ouais. Quoi qu'il a go back. Ok. Je l'irai plus. Ouais, ça a go back. J'ai trop bien drop. Ça a go back instant. Dès qu'il a vu que tu dropais ici, il a go back. Bon, ils sont partis par contre. Le tournoi se déroule en 4 games. Un système de points assez basique. La première équipe remporte 25 points et la dernière 0. Chaque kill remporte 1 point. L'équipe qui a le plus de points gagne le tournoi. Le cash prize de 20 000 euros était réparti entre la première et la cinquième place. Pour le tournoi, c'était du no build. On n'avait pas le droit au véhicule. On n'avait pas le droit de se cacher dans les bushs. Et on n'avait pas le droit d'utiliser les lingots d'or. Sauf pour reroll nos atouts. Il y avait 4 manières de terminer la game pour avoir des points en plus. Soit avec un gros bazooka, soit sur un dinosaure, soit avec un boomerang, ou le dernier, le sniper tireur d'élite thermique. Si l'une de ces manières était utilisée pour le dernier kill, alors l'équipe remportait 5 points bonus, ce qui pouvait changer tout le tournoi. Vas-y. Tu la veux ? Ouais, vas-y. J'en ai pas grand chose. Ah merde, j'aurais dû prendre les mini-potes avant, c'est pas grave. Ouais, j'ai 3 PM par contre, c'est un peu le bad. Hein. Ah, il y a une arme là-haut. Y'a des gens. Où? À droite. Ok. Dans l'endroit où on doit tuer. Ok, j'ai pas une bonne air. Hein. J'ai pas d'air moi. Ah ouais? Je suis pas sûr que ça soit bon. Ouais. Non, en vrai, je pense qu'on doit se casser. Ouais, je les vois. Ils ont l'air un peu paumés. Ok. Hein. Ouais, okay. Quand je vois dans les déplacements, ils ont pas l'air. Vas-y, j'arrive. Pas se cacher. Hein. Y'en a un qui est en open field dans le 3D. Okay, y'en a un qui est au fond. Ils sont au fond. Mais on les attend, ils vont devoir rentrer vers nous. Y'en a un qui est dans l'eau. Un qui arrive à gauche. Ils arrivent à gauche. Vas-y, on tourne à gauche, on va les tuer. T'es prêt? 3, 2, 1. Attends. Là. Vas-y. À droite, y'en a un là. Ouais. J'ai pas mal touché. Quasiment crack. On peut. Juste en dessous de nous là. Juste là. Ouais. J'ai vu là, y'en a un là. Là, c'est que t'aurais pu. Mais sur là. C'est pas si mal joué ça. Hein. Viens, on se barre. Hein. Tu veux. Vas-y. Fais gaffe, une balle de parette. Ouais, non, c'était pas si mal joué. Hein. Non, mais là, les répus étaient hyper bien joués, donc je pense que c'est Gotha et Michou. Je pense vraiment qu'il y en avait un des deux qui était moins bon que l'autre. Moi, dommage que j'ai pas eu une bonne air, hein, parce que sinon, je pense que je mettais beaucoup plus de dégâts. Je déteste cette air là. Vas-y, on se met dans nos pauses, on check comme d'hab. Tu veux aller vers là? Vers ce tapis? Non, on est bien, pour l'instant, on a pas besoin de bouger. Il y a grave moyen que la zone se finisse sur nous encore. J'ai des forts de poche et tout. Non, on est bien. Ah, devant, il y a une faille là. C'est où? Mais ça va être l'île, hein? Non, c'est pas l'île, c'est. Ah non, c'est un autre. Ah, sur nous, ils sont en bas. Ils sont là. Je vais voir. Ils sont en dessous de nous? Ouais, là. Gâche les risques, ils arrivent. On peut l'open field, hein. Vas-y. 22, 45. 22 encore. Il m'a mis une balle. 22, je touche beaucoup. Fais gaffe, c'est une balle de sniper. Il tire pas dégueu. Je veux bien les mini-potes, s'il vous plaît. On est trop bien en pause. Fais juste attention que derrière, on se fait pas. Parce que là, on regarde beaucoup derrière. Je regarde là, du coup, ouais, parce qu'il y a sûrement des mecs qui vont en retard. On se montre pas, hein. Ils ont un sniper et ils tirent pas dégueu, donc je sais pas qui c'est, mais. Là-bas, ils courent là-bas. Mon ping, on peut ping. 153, j'ai de balles, je peux mettre quelques balles.
22, 45 sur le premier, 22 en plus. 45 encore. Ah, vraiment, je touche trop, frère, c'est de la dinguerie. Fais gaffe à la sniper. Pas naïf. Voilà, derrière aussi en même temps. Parce qu'on tire en plus, donc ils peuvent en profiter. C'est le truc à. Comment ça s'appelle? C'est le truc. Ça a fort là, ça a fort ici. Fort ici, fort ici. On peut monter de fort aussi, faut. Ouais, c'est pour ça. En vrai, on scoute comme ça, et si jamais ça part en couille, on lâche le bas, c'est pas grave, on monte. Ah bah, ils sont là-bas, ils ont bougé. Regarde, on les voit là. Je les vois, ok, c'est bon, tant mieux. En vrai, franchement mec, je te le dis, je les ai vraiment beaucoup à race. Après, il y a pas le. Tu sais, t'as le 50 du bouclier qui sort automatiquement là. Mais franchement, j'ai mis beaucoup de balles. Hein. Donc, ça, j'ai dû taper dans le shield de base. Ça tire. Fais sur nous. 25. Ça part trop mal. Je pars aussi. J'ai fait clamer leur front. Ils sont où? Ils sont redescendus, frère. Ils sont dans l'eau. 48, break. Knock. Un knock. Ok. Grid pas. On grid pas. Ouais. 24. 24 encore. 23, 22. Quasiment crack, il a oublié de port. Attends. C'est bien. On le fait craquer des stats. Je le fais cramer. 23, 46. Crêpe break. Hit. Une balle. 18. Mort. GG. Ok, tu veux que j'aille looter ou pas, frère? Non. On a besoin du loot en vrai. J'ai 8 balles derrière, frère. Bah, va chercher juste lui, celui qui est mort par là, okay. Et tu remontes après la tiro, ok? Oh mec, m'aide bien. T'es bien? Ouais, il me donne de la bonne aile. T'as et tout? Ouais, j'ai un peu de heal. On bosse trop bien, hein. La zone est trop bien pour nous. Hein. On peut rota là ou. En fait, je pense qu'elle va, elle va aller à Bastion après. Elle va être là la zone. Ah, vraiment, je pense que la montagne là, ça va être la zone. Hein. Je pense que cette montagne là. Tu peux peut-être caler où? Je pense qu'on se met tout en haut de la montagne, mec. Hein. Tu penses qu'on peut monter de là? Je pense pas. Si, je suis sûr de moi qu'on peut monter de là. Ok. Ça tire en face au niveau de la montagne. Ouais, y'a des gens. Là. Ouh. Ici, frère. Je les vois. Attends, qu'ils se rapprochent. Ouais. Laisse se vers nous. Là, juste là. Retenez ici. Ici, ici. Attends. Je les vois pas. Ok, je les vois là, ils se font attaquer par un loup. Tu veux qu'on les attaque ou pas? Il est avec eux. Mais en fait, tu veux pas qu'on pad? On pad, on va là-bas, non? Il y a la zone. Vas-y, go. Ça tire en haut. Il y a des gens en haut dessus nous. C'est sûr? Il y a des gens en haut. Ouais, ça tire au-dessus. Regarde. Fais gaffe derrière nous, il y a des gens aussi. On n'oublie pas. Ils viennent vers nous. Ils passent par là. Je me suis pas arraché. Ouais, rien de faire. Dans tous les deux là-haut, ce que je te disais. Ils vont pas bouger, ils peuvent pas bouger. Si, ils viennent. Ça te fort dessus et tout. Vas-y, casse-toi. Ils vont finir, je t'aime. C'est Asco. J'étais sûr qu'il fallait prendre le truc en haut là. Ouais, j'étais avant. Je vais avancer par l'eau parce que je vais avancer vite. Oh, la zone avance vite. Oh non. Oh le bad. Ah bah non, je suis mort. Ouais, top 15, ça chie. Ah. C'est pas grave, Fat. C'est la première game, c'est ok. On fait un top 1, ça nous rattrape nos games. On fait quand même 2 kills. C'est déjà ça. Ah, classement à jour. Ok. Ouais. Ah oui, on a le classement, ok. Et le classement vient de tomber. Ils sont quand même premiers. Ah, ils sont quand même premiers. Mais un point, mec, c'est rien. Un punto. Putain, Domingo top 11. Ouais. Ils avaient la bonne stratégie de se faire un peu discret, d'essayer de prendre des fights faciles. Mateos et Blax, ça va être chaud pour eux. Qui 13e sont 13e, ça va encore. La première game se termine de la pire des manières. On fait top 15. Ça veut dire qu'on prend quasiment pas de points. Et en plus, on meurt de la zone. En lot de compensation, on a 2 kills. C'est déjà ça. Mais on est clairement loin de notre objectif qui est du top 5. Donc on drop. Maintenant. Il y a des gens encore. Ouais. Un à ma gauche, un à ma droite. Deux à ma droite. Ok, tu spawns bien? Ouais, j'en ai un à ma droite, ouais. Trois à ma droite. Trois. Et nous ou pas? Non. Ils vont à la station essence, ils vont nous griffe. Ok, on peut essayer de changer de rota, il y a l'autre chose. Ou directement essayer de les choper à... Ok, je les vois à la station essence, je peux essayer de leur mettre quelques balles. Attends. 18. J'en ai mis quelques balles. Ok, m'a mis une balle. M'a mis une balle, c'est pas dégueu. Ils sont pas dégueu, hein. Viens, sinon on bouge, hein. Il part à gauche. Vers où? Il part à gauche, vers là-bas. On peut peut-être jouer à droite, non? Si vous avez vraiment l'info et que vous êtes sûr à 100% qu'il part à gauche. Ouais, là, ouais, Brad, il part là-bas. Regarde. Ok, j'ai des slaps. On joue derrière, du coup, et après on revient. Ouais, on joue derrière. Si vous avez vraiment l'info à 100%, vous pouvez dire. Je suis sûr qu'ils sont partis. Dessus, hein. Bah alors, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'ils sont partis, après je sais pas s'il y a quelqu'un. C'est ouvert. Cancel peut-être. Viens, on drop là. Non, mais je suis à la station essence, moi. Mais on s'en bat les couilles, c'était loot. On s'en fout. Oui, mais je voulais juste prendre l'info en fait, comme d'habitude. Non, mais c'est tout loot, viens là direct. Si, voilà, vu là. Ok, attends. Il a regardé vers moi, mais je sais pas s'il m'a vu, je pense pas. Moi je suis caché, hein. Ça sort. Ok, je vois, attends. Okay. On attend qu'ils avancent. Il va vers la gauche, je vais le prendre là.
Ah, je suis loin du coup. Je suis loin, t'es tout seul, frère. J'arrive, je suis loin. T'es dans Beam 1 si tu peux. T'es bien? J'en ai laser 1, bouge. Ah ouais, on se casse? Ouais, moi je suis, ouais. Ok, on se casse. J'en ai laser 1, bien. J'ai pas perdu de shield. Les deux sont derrière. Ok, vas-y, viens, on se casse. Là, on peut les baiser, hein. Vas-y, le premier. 1, 2, 3. Le deuxième maintenant. Ok. Oh non, j'ai droppé. J'ai droppé ça va exprès. Pas télé. Les cracks. Y'en a un mort. Le deuxième. J'en ai d'un mort. Il va finir. C'est pas grave. Tu peux le finir, hein. Il va rien à son pote, hein. Il faut que tu. Ah, trop tard, je pense. Qu'est-ce que le truc là? Il reste pas là. Il va tenter une raise, je pense, hein. Il la reste pas, ok. Voilà. Il est open field, tu peux le baiser. Non, mais je suis bon, je vais le charger. GG, allez, t'as le stuff, tu peux me réa. Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé, j'ai trop. Oh, calme, c'est une petite erreur, ça arrive, GG. Y'a plus d'invisibilité si t'as besoin. T'as un midi brume, hésite pas à le reste en zone. Ne prends pas de risque à le reste. Je me casse loin là-bas? J'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. Non, là, à côté de la zone. Tu penses que j'atteins la zone là? Parce qu'on est quand même loin, hein. Les pads après, hein. On a triple. Enfin, vous avez triple pad, t'as la zone. Elle est pas hyper loin, franchement. Elle fait que un tick. Vous avez encore peut-être un peu de heal blanc à votre spawn. Vous êtes bien. Ok, je remonte en haut. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller chercher un kit peut-être en bas. Il y en avait un. Où? Et bah, dans vos stuff. Tu vas chercher un kit. Tu remontes par la tiro. Tu prends le pad. Ok. Ok, t'en as? Ouais, c'est bon. Parfait, vas-y, prends pas trop de temps à remonter à la tiro. J'ai deux kits, hein. Vas-y, hein, tiro, vas-y, monte-toi. Ah, ça tire? C'est quoi, c'est le bot? C'est pas. Y'a de là! Vas-y, pas. Prends le pad et on se taille. Vas-y, avance, on va là. Hein. Je vais tirer dessus derrière. C'est pas grave, on les a. Arme typique et atypique, c'est les armes que j'utilise tout le temps, hein. D'accord? Ouais, c'est vert et gris. Ok, on le sent dessus. On a pas de fort de poche en plus, hein. Non, vous avez rien, les gars, vous êtes à poil. Soyez pas trop naïf sur les arrêts, les petits trucs comme ça, parce qu'on sait qu'il y avait des mecs dans votre cul, on avait entendu une raison. A la limite, si vous êtes pas hyper loin de la zone, si vous voulez vraiment faire les chiennes, vous pouvez juste tamper les mecs qui venaient de Rez, il y en a forcément un des deux qui est dans la merde. Hein. Des derrière nous, tu parles? Ouais, mais après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Il y a un midi brume dedans, il y a un coffre, il y a du loot. Hein. Vas-y. Ils doivent sûrement tamper les heals dans la ville, hein. Ils doivent pêcher et tout. Après, faites bien attention à votre hauteur et dans le cul aussi, parce que je suis sûr à genre 75% qu'il y a encore une team derrière. Ouais, là, mais non, mais il tampo la zone. Ah, en vrai, les gars, vous pouvez vraiment les baiser, hein. Vous faites juste gaffe et vous pouvez les fumer, hein. Ça, c'est vos kills, hein. Attends, il y en a un qui va vers nous. Attends, cache-toi. Oh, lui. On l'accueille. T'es prêt? Un 3-2, ah, hein, n'oublie pas. Attends qu'il avance. Il y a son pote qui rejoint là. Ok, tu colles 3-2-1 et on peut les. J'attends juste qu'ils avancent un peu, ils sont où là? Après, on peut dans la zone, hein. T'es prêt? Vas-y, 3. Celui de. Le premier. Ça peut être trop bien. Je l'ai quasiment craqué, celui à gauche. Recule. 800, vas-y. Je recule. Voilà. Celui à gauche. 2 HP, mort. Bien joué, les gars. Plus qu'un, vous êtes 2-1. C'est Lucio et Mika. C'est Mika qui reste en vie, vous êtes 2-1. Il y aurait. Il avance. 21. On a pas le kill encore, mais je pense qu'il va mourir. J'ai mis 2 balles de 40. Ouais, vas-y, viens, on se casse. C'est bon, on se casse. Ouais, les gars, je vous avais dit qu'il y avait un mec dans le dos, c'est sûr. Ouais, on peut aller un peu plus dead zone si tu veux, vraiment là ici, mais c'est tout quoi. C'est vrai que j'ai un peu peur que des gens qui vont venir là. Pour l'instant, vous êtes très bien là. Le move est très bien joué, les gars. Juste, on fait attention, on se recordonne bien sur les 3-2-1. Ok, il va falloir qu'on ait Cookie. Il va falloir qu'on ait Cookie parce que je pense que ça va être la zone de fou. Faut qu'on y aille maintenant. On check. Oui, prenez bien de l'info, on fait attention comme d'habitude. Soyez pas naïf si vous voulez rentrer dans un bâtiment, ça peut être très bien de trap, mais forcément il y en a deux qui vont y penser. C'était en zone ça? Non, c'est pas en zone, faut qu'on avance, frère. C'est pas en zone non plus, hein. Dans tous les cas, vous devez avancer, c'est une zone 50-50 où vous avez l'avantage, vous allez avoir la rapidité sur tout le monde dans les rotas. Pas personne. Y'a un coffre. Mais faites attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de barrettes sûrement dans la game. Ouais, j'ai entendu, mais les mecs qui tiraient close c'était les barrettes. Hein. Voilà. Regardez derrière nous, je regarde droite. Ouais, voilà, quelqu'un check le cul et les autres regardent devant. On top, on a 40 secondes, ouais, on est bien. T'as tiré une bulle là-bas, donc ça veut dire qu'il y a une team là-bas probablement. Ouais, je vois. Ils sont en face sur le bat en train de tirer au barret. On peut longer à droite, hein, sinon on va en contrebas là. Ouais, ils sont close, ils sont sur le bat là, sur le toit. Ok, c'est pas grave. T'as tiré au barret, j'ai pris une balle de barret. T'as vu. C'est technique. Moi je pense qu'il faut qu'on se mette là. Hein. On est dans la zone là, on est trop bien. Ouais, mais s'ils viennent au-dessus, ils nous baisent. Mais ouais, en vrai, je suis d'accord.
Je les vois en face là, ils sont sur le toit toujours. Ouais, je prends des balles de droite. Je descends sur la droite. Là, ça va être compliqué. Hein. Là, je sais pas comment on va faire. Hein. Viens, on peut-être avancer, on peut-être être border zone. Il t'en full déjà. Il faudrait que vous arriviez juste à cross à travers l'eau et vous coller dans le contrebas de la montagne. Ah, tout le monde va vous bouger. Okay. Ouais, mais là, c'est gel, c'est fou. Vas-y, vas-y, vas-y. Colle-toi, Bichard. Je joue pour toi, je te jure, je joue pour toi, mon frère. On est pas si mal. Je veux pas qu'on est sur le terrain juste. Fais gaffe. Ton polo. Ça avance encore la zone là? Non, pas encore. Elle va avancer dans 10 secondes là. 10 secondes, on peut monter par où? On est obligé de passer par l'eau là. Donc en vrai, bien mec, on peut longer là à l'eau. T'sais, on se monte pas maintenant. Faites attention, faites pas de rota trop early parce qu'on a l'info qu'ils ont des canons en haut, ils peuvent vous baiser facilement. Ouais. Vous jouez à la nage, coller à la montagne, c'est très bien si tu colles à la montagne à gauche là. C'est parfait ce que vous faites là pour l'instant. Ah, ils nous ont vu. T'inquiète. Ferme. Y'a un mec à droite, là. Mort. Okay. Ouais, on avance. Est-ce que j'ai réglé le truc? Est-ce que j'ai réglé? Y'a un knock à droite. On a la faux. On a la faux des derniers. Oh, ils sont tous les. Fatou et Bichard, c'est leur qui faut attaquer maintenant, les gars. Faut attaquer maintenant, c'est gratuit. C'est gratuit pour vous. Elle est offerte la game. Juste parce qu'ils se sont fait oublier, comme on l'a dit en contrebas. Ils sont là, ils c'est 2v1 face à un mec qui a un HP. C'est pas un kill. Vous êtes 2v1, les gars. C'est 2v1 là. Vas-y. Dis bien. Let's go! Let's go! Incroyable, Fatou! Incroyable! Super l'équipe, super! Oh la dinguerie! C'est fini, bien joué! C'était bien joué, il avait la hauteur, mais il avait plus de vie. Et Bichard et Anne Fatou qui remportent cette game. Un maximum de GG dans le chat pour cette deuxième game! Ça annonce une suite de tournois extraordinaire. Les gars, mais Bichard, on est top 6, frère! Top 6, frère! Ah ouais, Asko et Aaron, ils sont bien! Et nous, on est top 6, 40 points. Il y a 6 points d'écart, frérot! C'est rien du tout, 6 points, les gars. Ah, frère, on peut. Il y a 6 points d'écart entre le top 6 et le top 1. Là, les gars, pour vous donner un ordre d'idée, vous êtes à 1 point du cash, genre, c'est tout. Et là, on rattrape toute notre première game. On fait un top 1 avec 6 kills. C'était vraiment la game parfaite. On a réussi à gagner, on a réussi à faire des kills. On s'est fait oublier derrière la colline. Et en plus, on remporte la game. Ça nous remet totalement dans le tournoi. Et à ce moment-là, en termes de score, on est 6ème. On est à ça du top 5 de notre objectif. On sait que la prochaine game va être décisive pour savoir si on va monter dans le top 5 ou au contraire si tous nos espoirs se terminent maintenant. Le bus il passe en plein milieu quoi. Donc, je pense qu'il risque d'avoir du monde chez nous. Hein. Ouais, c'est chiant. Bah comme d'hab, après tout à l'heure il y en avait mec. Donc on attend bien que ce soit en perpendiculaire du coup ici. Hein. C'est ça? Ouais, je pense ouais, que c'est ça. Vas-y go. Y'a un mec. Ok. Moi pour le moment je drop bien. Il va peut-être te jouer toi. Hein. Il y a deux bugs et il y a un mec qui a cancel et qui est allé vers Brutal, ok? Je vois pas. Ils ont cancel, ils sont à la Brutal. Ouais, ils sont à la Brutal, Je crois qu'il y a deux teams Brutal, merde. Mais je me fais tirer d'au-dessus de la montagne. Sans tous les cas, j'ai un sniper, hein. Crois-moi qu'il va vite regretter de nous faire ça. Bien mon frère? Ok, j'ai un airscope. Je regarde juste, ça nous joue pas direct en fait, parce qu'ils sont en Brutal 100%. Non, tu veux bien. Ils vont peut-être vouloir nous cut la rota. Allez, go, on y va, monte. Ouais, ça m'a move de move. Pas d'info droite. Fais gaffe, on oublie pas, c'était leur spawn tout à l'heure. Pas d'info droite, je vois pas de porte et tout. Y'a le loup. On check comme d'hab, frère. Je vois rien. Les portes sont fermées. Les gros camions sont pas pris, pour moi c'est bon. Ça fait déjà deux fois qu'on l'a fait au mec, si ça se trouve ils sont en sneak quelque part, donc on fait attention, on est vigilant si jamais on va loot en bas. Fais gaffe aussi qu'il y a moyen, y'a un monde, moi je te le dis, y'a un monde que la team qui était derrière nous, ils nous ont griffé. Tu sais, en mode ils sont venus prendre notre pause. Ouais. Je suis en vision thermique, donc je verrai très bien les gens. Là, on va jouer les battes hyper safe, mais ça rien n'a été loot, ça m'étonne rien. Parce que rien n'a été loot là. En vrai, on peut jouer dedans, frère, hein. Tranquille. Oui, de toute façon, j'ai un kit là. Oui, vous avez full blanc et tout. On fait juste attention, on se rappelle qu'il y a une team qui nous tirait dessus depuis la montagne à notre spawn. Il peut avoir pris notre pause en vrai, il peut avoir. Exactement, c'est pour ça on fait gaffe. Mais c'est bon, là, on est dans la zone là. Je vais mon. Je pensais que c'était un chier, t'inquiète. Je mets mon kit maintenant. Prends bien ton info avant et si tu vois que t'as personne. Et je vais plus le lancer, je suis en motocar. C'est pas grave, t'inquiète, ça arrive. Sécure. Ça m'a l'air bon. Il y a zone qui arrive. On avance. Ils ont vu qu'on a pris le pad tout à l'heure. Tu sais, ils nous ont tiré dessus et tout. Il y a moyen qu'ils nous attendent au pad directement, genre. Et qu'ils nous baissent sur le pad. Le pad. Ok, ça m'a l'air bon. Il y avait un trou. Hein? Il y avait un trou là en fait. J'ai trop peur. Bon. Vas-y, go. J'ai trop peur du trou. Je me suis dit, s'il faut, c'est eux qui l'ont fait esprit. C'est pour qu'on tombe. Ouais, ouais. Dans 5 secondes, vous allez avoir l'info de la zone. Vous allez voir, savoir où autant. Ouais, comme d'hab, frère, okay. Tu connais. Ça va être en face, frère, ça tire. Ils sont close. Ils sont hyper close. Tu le vois? C'est un bot.
C'est un bot ça? Ah ouais, c'est un bot, ouais, il a glacé. Essayez de pas trop rester statique comme ça sans que personne regarde dans votre cul. On fait comment pour Rota si il crache une attaque? Y'a un blanc là, il est monté à droite. Alors on bouge et on retape par la gauche. Ok, on a du heal blanc, on peut tempo la zone, c'est pas grave, on s'en fout de la zone. J'ai dit bandage frère. C'est contre notre bot. Là, l'eau, tout droit, tout pas, ligne droite. On reste le moins longtemps dans l'eau. C'est vraiment plan cul l'eau. Si jamais ça part en couille, oublie pas. On claque le fort. Si jamais ils sont loin, on claque le fort quand on est crack. Enfin, juste avant d'être crack, pas avant. Si jamais c'est vraiment close et que tu sens qu'on peut mourir vraiment pas, tu claques, tu réfléchis pas, frère. On évite le maximum loin. Là, coller à la montagne, c'est très bien. Les mecs au-dessus peuvent pas vous voir. Là, faut monter le plus rapidement possible. Hein. Au moins avoir une semi-hauteur, parce que si on reste contre bas, on est mort. La même zone, hein. Ouais, j'ai l'impression aussi. Elle est un peu décalée plus vers la droite, mais. Il y a des mecs sur l'île, mecs sur l'île, un sur le toit. T'as vu ou pas? Non, impossible. Ok, donc là, on a l'info, c'est déjà bien. Il va falloir qu'on avance en dessous de l'île. Ouais, et il scoute, il veut des kills. Hein. Ça doit être à scout tout ça. Ça scoute. Hein. Là, si t'arrives à prendre une faille, c'est très bien. Et si t'arrives pas, dans tous les cas, faut que tu crosses par le fleuve là et aller. En tout cas, ton ping est très bien. Faut qu'on avance. Non, c'est pas grave, si tu veux y aller maintenant, tu peux y aller en courant. Le dit pour moi, c'est plan cul. Il y a l'eau entre les deux si on doit se barrer et que la zone n'est pas dans l'avantage. On prend faille, là. On prend faille et on fait ce qu'on a dit ou pas? Vas-y, on va capping le bleu, le rouge, là, c'est le mien là. Ils sont là, t'inquiète. Je descends sous l'île. Ils sont plus cher, mais c'est pas grave. On fait un piqué quand c'est comme ça, les gars. Ok, mais y'a des gens moving, va que nous quitte. On est pas zone, hein. Garde ton brume, ouais, voilà bien. Alors la zone, dis-moi qu'elle est bien. Allez, nous, elle est pour nous, mais il faut qu'on cross, hein, je pense. Hein. Vous avez des forts ou pas? Ouais, deux. Ouais, deux. En vrai, la bonne pose pour moi, c'est genre là où tu regardes Fatou un tout petit peu à gauche, et après vous allez mettre un fort. Pour l'instant, on se met là et on fort. Viens, on peut y aller maintenant. Oui, on monte et sur votre couvert là. Votre fort, vous faites attention parce que vous allez pas avoir le cover du dessus. Vas-y, fais gaffe au dessus, beau gosse. T'inquiète, je vais mettre le fort là. Et ça nous drop dessus. Ça passe, hein. Ouais, ça nous drop dessus. Vas-y, je mets le fort là. Faut que tu fort, ouais. N'hésitez pas à rester soit en dessous, soit dans le fort, on sait jamais. Hein. Ouais. Oh putain, là, je t'ai dit, ça va être stack. En plus, elle est pas pour nous la zone là. Attends, on peut essayer d'aller vers la droite. Ah ouais, là, vers de là où ouais, on peut longer à droite, mais ouais, ça va être. Ouais, là, vous allez devoir longer là-bas. Normalement, la plus grosse partie de la map est devant vous à gauche, donc en sud-ouest. Vous allez devoir cross. Il y a déjà. Exactement, un ping rouge. Je pense qu'on peut aller là, facile. On reste caché derrière et on avance après où on peut. Ça va là. Ils savent. Vous êtes top 20, les gars. Là, c'est la même situation que tout à l'heure. Plus vous restez en vie longtemps, plus vous allez gagner des points de top. Là, c'est que du bonus, les gars. Ils savent. Je l'ai. Vas-y, joue ta game. Ouais, il va me finir, je te dis c'est qui. C'est Asko. C'était sûr, de toute façon, y'a que eux qui jouent comme ça. Ouais, ils vont m'attendre là. Et voilà. Ouais, bien sûr. Aaron et Asko. Très bien. Qui attaque Bichard. C'est du 2v1. Très bien joué, Bichard. Bichard qui avait prévu son fort. Ouais, moi j'aurais pu David monter. Oh, y'a une team là aussi. FF. Ouais, okay. Oh, je joue avec eux. Y'a Sabo et Flamby. Peut-être la triplette de C'est ce que quoi. J'allais dire, en fait, à force de forcer sur Bichard, ils vont se faire eux attaquer. Ouais. Parfait. Ouais, fais-toi oublier. Franchement, ils me voient. Ah, ils savent. Ils me voient, j'ai le truc rouge sur la tête. Ah, si, qu'est-ce qui est cool. Ouais, c'est oublié, mais j'ai le truc rouge sur la tête, ils me voient. C'est comme une désillusion. 10ème, mieux que notre première game, mais tellement embêtant pour la suite de la compétition. On a 2 games sur 3 qui sont derrière le top 10. Comment vous voulez qu'on termine top 5 maintenant? Avec un peu de chance, en termes de points, on arrive à rester à la 6ème place, qui est un peu inespéré. Comme si le classement avait pas bougé pour nous. On a quelques points de Gotaga et Michou qui sont 5ème, et on sait que le top 3 va être difficile à rattraper. Notre objectif, top 4 ou top 5. Et pour ça, faut pas se louper sur la dernière. Il va falloir qu'on donne le meilleur pour essayer de finir dans le top 5. Ok, on y va, Pat, c'est tout de suite, Pat. 3, 2, 1, go. Ok, je spawn sur le balcon, c'est bon. Même si tu veux spawner en dessous, au-dessus, si tu veux. Je scout de spi. Je vois personne à droite. Okay, j'ai 3 potes bleus. J'ai 3 PM, par contre, j'ai pas d'air. J'ai un pompe ici. Merci. On va derrière, comme d'hab. Vas-y. Hein. J'ai vu personne, moi, drop, il me semble, donc... Après, faites attention, ça fait 3 gammes d'affilée, on le fait, donc il faut s'y attendre. Je vois rien pris ici. Pareil. Oh mec, c'était une clé, on a une air scope violette. Non, j'ai pas. Si t'as vraiment un doute, je peux reveal. Hein. T'as ça, pas ça, ça. Je vais les toi derrière, fais gaffe. J'ai un brumi ici, tu en as besoin ou quoi? Il y a la zone, ouais. C'est exactement la même zone que tout à l'heure. Hein. Vous savez exactement comment les jouer. C'est exactement la même zone, vraiment, exactement. 20 secondes, il va falloir qu'on avance comme d'hab à Butal. Comme d'hab, hein.
Ouais, et va falloir loot aussi un peu sur les rotins, hein. Là on est à poil les gars. Prenez pas forcément plus de risques que d'habitude, hein. C'est la dernière game. Y'a des gens. Tu vois? Ouais, là. Et on avance par le côté droit là. D'hab, ils ont pris le pad. Hein. Ils nous ont vu, je pense, tu penses? Ils chassent, hein. Ça pad, ils ont pad. Ils ont déjà pad deux? Ouais, j'ai vu un. En tout cas, j'ai vu un. Vous avez 6 pads. Un Medibrume, prenez votre temps. Ils sont là, ils sont là. Ah, j'ai le truc d'MZ MDR. Bien, on est bien, la zone est sur nous. On peut jouer là en contrebas là, c'est bien. Tu veux déjà qu'on prenne de l'avance, juste qu'on passe de l'autre côté de la rive ou pas? Si vous arrivez à aller au niveau de la forêt, c'est bien. Vas-y, cross. C'est vous qui allez, ouais. Je pense dans l'eau. Vas-y, tout droit, toi. J'ai un fort. Et quand même, s'il y a personne, mais il n'y a pas l'air d'avoir des. On peut chiller, hein. Bah, de toute façon, on va attendre la zone. Ok, la l'île est hyper loin et en plus, la zone est juste à côté de nous, mec. Oh, on chill. On est juste un peu en contrebas, j'aime pas trop, genre. Ah ouais. Bah pour l'instant, c'est chaud. Est-ce qu'on irait pas là-haut, ouais? On irait... Tu veux pas qu'on aille là-haut? Ok, la zone est. Il faut qu'on aille là, en fait. Moi, je pense qu'il faut juste qu'on avance parce que là. Voilà, juste avancer pour l'instant, un tout petit peu. Prenez pas trop de risques, hein, avancez pas beaucoup. Ouais, c'est mieux là. On joue le gros truc du coup ou pas? Non, de toute façon, ils vont devoir avancer. Reste devant et là, ils vont devoir avancer. On avance doucement. Moi, je bouge en visant, hein. Comme ça, ils me détectent pas. Fais gaffe là, vous êtes open comme ça, de beaucoup de barrettes de devant vous. Zon, là va falloir qu'on avance vers la droite. Elle prend coup la zone là? Là faut qu'on avance vers la droite. Hein. Là on est vers la droite. On est en semaine ou pas? Allez-y maintenant. Ouais. Y'a des mecs en face, pile en face de nous. Là. Ping. Ok, ils nous voient, ils nous ont vu ou pas? Je sais pas, en tout cas ils ont couru donc ouais. Ça nous court dessus, 3, 2, 1, t'es prêt? Non, je vois pas, hein? Là, pique, quand le. Vas-y, 1, 2, 3. BJ non, frère. Nice les gars, BJ, excellent ça. On a des réponses. On perd pas de temps. Très bien joué. Là, vous allez mettre un fort au niveau de. Ah, ça me tire derrière. Il a loupé sa balle. On avance, non? Avancez. J'ai des forts de toute façon, on peut avancer. Il y a des contrebas, vous avez des forts, vous avez tous les gars. Utilisez bien le biome ambiant. C'est un raptor là. C'est à deux de raptors, hein, close. Je prends tout du pont peut-être. Attends, viens, on joue avec la zone là. Ça brûle en face. Oh, la zone est en face. Derrière le pont. Faut qu'on aille vers soit la gauche, soit la droite. Et dans tous les cas, on est dans la merde. La droite, ça a tiré au canon, je sais plus. Gauche, droite. Le mets à la droite. Y'a un fort là-haut, c'est ceux qui tirent au canon et tout. C'est on avance à droite déjà. Canon là. Ça tire devant nous. Ça tire dans y'a un fort ici. Ah, ils sont pile dans la zone. Vous avez des forts, des répus, on n'utilise pas. Enfin, on n'hésite pas à claquer notre stuff, les gars. Ils sont pile à la zone avec un fort. Tu fais un cross, tu utilises un peu le fleuve à ta gauche là et tu crosses par la gauche. Un tout petit peu par la gauche. À gauche. Comme si tu veux. Là, si on avance tout droit, on y est. Y'a la team au-dessus, Barrette. Y'a une mec, close d'en face. T'es chaud, 3-2. Vas-y, 1, 2, 3. Ils ont fort, je fort aussi. On a des infos, on est déjà à droite. Ils se font allumer. Vous allez devoir en poser un tout petit peu devant vous. Ah, c'est bon, on est pile dedans. Ok. On pique pas. Ah ouais, elle est pour nous. Vous êtes parfait. Ça va vouloir nous jouer peut-être, hein. Fais gaffe à ça. Ça tire à droite. Tu vois? Ouais, mais. Ouais, t'es chaud? Ne vous montrez pas. Ok, on se manque pas. Il vient vers nous, on est bougé. Mort, mais le kill! T'as le kill? Pas besoin, on est bien. Ah, c'est fait jouer. Je le fort là. C'est bon. Ok, vas-y, parfait. T'es nickel. Ah, pardon, on a pas le gold stuff. Pas grave. Si, j'y suis. Tu l'as? J'ai pris une balle. Vas-y, on recule, j'ai un autre. On va pas reculer. C'est excellent ce que vous faites, les gars, c'est excellent. Y'en a un autre gauche là, tu vois. Voilà. Ah, mais je me suis. C'est Mika. J'ai touché. Tu peux rota. Ouais, bon. On est pas si bien, fais gaffe à droite aussi. Hein. Fais gaffe à droite. Peut-être falloir que tu recules et tu mettes un autre port un peu plein. Un deux à droite. Je me suis pris une balle encore. Il bouge à gauche. Je viens avec toi. N'hésite pas à claquer un fort, hein, pour vous cover. Hein. Bien joué, Bichard. Close. À droite, fais gaffe. Je vois. Vas-y, tu veux y aller? Non. Il y a Mika dans notre cul en fait. Les gars, vous êtes top 4. Vous êtes un des seuls duos de la game. Tac. Bien joué. Si il est solo, les gars, vous avez un fou, il est solo, vous pouvez le push. Vas-y. Vous avez des répus et tout, vous pouvez le push. Il va vous faire chier. Il est mort. C'est bon. Prenez le canon. Nice. J'ai détruit à droite. Vas-y. 110, double 110. Bien joué, les gars, super. Ça va. On push la rota. À gauche, il y a du monde. Ah ouais, on avance à hyper loin à droite. Ils sont hyper. Elle est fort encore ou pas? Non, j'ai plus rien. Ça joue bush, wesh. Ils ont pas le droit. Wesh, ça joue bush. Je joue contre bas.
jouer contre bas, vous pouvez jouer contre bas les gars. Bah le bush. Mais ça joue bush frère. Mais ils ont joué dans le bush. Ils ont joué bush. Ok top 3, vous avez là vous avez des sous, vous avez cash, GG. Let's go, attends, les gars, let's go. Attends, j'ai pas la faute. Non, derrière. Alors, il vient d'avoir le studio. Let's go, les gars. Let's go. Oh, le top 3. Let's go, mes poulains. Mais ouais, j'ai attendu. Ah, j'ai trop fier, frère. T'as pas idée, en fait. Ouais, frère, la tête de mer, frère, j'expliquerai en privé, frère. Mais t'as pas idée à quel point le cash, frère, il m'a trop aidé. C'est une dinguerie, frère. C'est vrai. Oh, ça me fait plaisir. Ah, poteau, je te jure, c'est une dinguerie, frère. Je te jure, je viens de chialer, frère. Mais c'est vrai. Non mais mec, tu te rends pas compte en fait à quel point ça m'aide, poto. Genre, tu te rends pas compte, frère. Mais tant mieux, Ah ouais, je te jure, frère, c'est de la dinguerie. Merci à Stock, hein. Merci pour le coaching. Hein. Ouais, toi, je te jure, à Stock, vas-y, mon frère, je te jure, le training, poto. Mais pas de soucis, frère. T'as traîné plus de 10 heures avec quoi, mon poto. On est resté 10 heures en vogue à faire que de la théorie, mon frère. Eh, moi, si je peux aider à ce que vous gagnez des sous, les gars, y'a pas de soucis. Encore une fois, les frères, on a prouvé qu'on est des joueurs multigaming avec Bish. On arrive sur un jeu qu'on a jamais lancé, poto. On fait top 3. Oh la dinguerie, frère. Trop content pour vous les frères. La tête de ma mère frère, c'est trop grâce à toi, la tête de ma mère, tu m'as tellement coach frère, tu m'as tellement carry. Tranquille les gars. Merci Noxtag. Grâce à toi frère, je vais pouvoir régaler ma pote pendant les vacances. Voilà. Voilà. Merci à tous. GG à tout le monde. Merci aux créateurs de contenu. Merci vous. Vous êtes des cracks, je vous aime la commu. Et merci. Vous donnez de la force tout le temps, vous êtes des cracks. Passez tous une excellente soirée, je vous aime. Ciao. Merci pour ce tournoi, merci Fortnite. Ciao.